Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est devant ce petit feu que j'ai allumé ce matin et qui m'a tenu chaud toute la nuit que nous allons commencer la vidéo de ce dimanche. Eh bien, départ de ce petit endroit sympa. C'était chouette. Il y a du soleil. Donc, c'est tout bon. Alors le ciel, le soleil est déjà haut dans le ciel, mais il n'est pas 7 heures encore. Mais je suis un peu perturbé parce que le soleil se lève à 4 heures, enfin le jour se lève à 4 heures, 4 heures et demie. Et donc quand j'ai rallumé mon petit feu ce matin, il était 4 heures et quart. Et ça me perturbe un peu ces journées longues, hein, parce que le soleil se lève à... Enfin, le jour se lève à 4 heures et se couche, il est 11 heures, 11 heures et demie. Bon, bien, je continue sur cette voie verte. Après avoir m'être arrêté dans une épicerie bar, enfin, je ne sais pas trop ce que c'était, mais ils vendaient tout, peut-être c'était bien. Je me suis pris un café. Et puis, j'ai acheté pour manger à midi et soir. Donc là, je suis relativement tranquille jusqu'à demain. Le seul petit souci, ça va être pour recharger le téléphone. Parce que dans les shelters, il n'y a pas l'électricité. Il faudrait que je me trouve, je ne sais pas quoi, un café ou une station de service. Enfin, là, sur les chemins que je suis, je ne trouverai pas de station de service. Peut-être qu'en passant dans les villages, je trouverai un café. Allez, à plus! Alors, super, cette grande piste-là dans les sous-bois. Elle roule bien, après que ça soit de la terre, elle roule bien, c'est superbe. Ah, je me fais plaisir. Ouais, je vais me faire une petite pause ici, c'est pas mal, hein? Pas mal, ici, pas mal. Maison typique suédoise. Et je suis surpris parce que tous, pratiquement, ont des panneaux solaires sur les toits. Petit écureuil qui traverse devant moi. Ça varie entre des belles routes, hein, des belles pistes en goudron et des pistes comme ça en gravier, qui sont agréables aussi. Hein. Et avec cette mode du gravel, je me dis, bah mince, il faut que je m'achète un gravel. Mais en fait, je fais du gravel avec un vélo de route depuis mon enfance. C'est-à-dire depuis au moins 60 ans. Ils ont mis des pneus un peu plus larges. Mais enfin, ça se fait avec un vélo route. Hein. Vous avez vu dans les endroits où je suis passé. Et au moment, je trouve tout droit, mais j'ai eu aucun problème. C'est peut-être simplement... pour faire une mode. Alors peut-être ce que je vais faire, parce que c'est vrai qu'il y a des terrains qui sont un peu durs avec mes petits pneus, et ben je changerai simplement mes roues en mettant un peu plus des pneus un peu plus ronds, et puis voilà, et j'aurai mon gravel.
est pas belle la vie là? Bon, et bien sur ces images, je vous dis à demain.